Je pense qu'elle lui a dit des trucs pas très sympas. Il y a la jumelle de Lily Rose qui m'a dit que Lily Rose est plus ma copine. Tu ne peux rien, pardon. Mais qu'est-ce que tu fais? Salut! Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner et à cliquer sur la cloche. Et surtout, regarde la vidéo jusqu'au bout si tu veux que ton nom apparaisse dans la bulle magique d'une prochaine vidéo. Bon visionnage! Haha! Me revoilà dans le nouvel appartement de Lily Rose. Maintenant, il me suffit juste de trouver sa chambre. Trop bien ma nouvelle chambre! Au moins ici, ma soeur jumelle, elle pourra plus me trouver. D'ailleurs, j'espère qu'elle m'a pas suivie jusqu'ici. Ici, c'est mon endroit secret. Lily Rose, t'es où? J'arrive! Non, c'est pas ça. Oh, oh, elle est où, elle? Oh, non, non plus. Lily Rose, j'ai même une cachette secrète pour être en toute sécurité. Bon, bah, elle est pas là. Lily Rose, où te caches-tu? Peut-être ici? Ouh, bah ça ressemble bien à la chambre de Lily Rose, ça. Qu'est-ce qui se passe? Mais il y a quelqu'un qui a fermé la porte de l'armoire secrète. Mais ne t'en fais pas, Lily Rose. Il y a plein de choses pour toi à l'intérieur. Oh non, je pense que c'est la sœur jumelle. Mais c'est pas possible. Et tiens, si on allait dans le répertoire de Lily Rose et qu'on appelait l'une de ses amies. Ah, Massilia, allez, tiens, si on appelait Massi Massi. Elle téléphone avec quelqu'un en plus. Je crois que c'est avec Massilia. Lily Rose, t'inquiète pas, j'ai laissé ouvert. C'est juste que t'es un peu bête, du coup tu sais pas l'ouvrir. Mais qu'est-ce qu'elle va lui dire? J'espère que ça va pas encore créer des histoires. Oh, je sens que ça va mal se finir. C'est bon, elle a décroché. Maintenant je vais faire une petite voix comme Lily Rose. Ah, gna, 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 gna. Bref, une voix de peste quoi. Oh là 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 là, ça sent très mauvais. Mais je pense que c'est mes pieds. Allô? Oui, c'est qui? Oh salut Massilia, c'est Lily Rose, j'espère que tu vas bien. Oh, tu me manques tellement, j'ai tellement hâte de te revoir. Oh, je t'adore, tu es la meilleure. Ouais, c'est pas vraiment Lily Rose en fait, c'est la sœur jumelle. Mais c'était pour te dire que, tu vois, Lily Rose quand elle parle de toi, elle est vraiment méchante. Elle dit que t'es pas gentille. Ah bon, Lily Rose a dit ça? Que tu pues, enfin, elle dit plein de trucs hyper bizarres sur toi. Donc voilà, c'était pour te prévenir, on va devenir meilleure amie peut-être, enfin bref. Je vais aller le dire à papa. Oh, j'ai bien piégé Massilia et Lily Rose. Maintenant, ça va peut-être devenir mon ami. Mon ami, c'est toi. Tu es mon ami. Lily Rose, je t'ai eu. Pas trop deg. Si, t'es deg. Bon, allez, moi je pars et je reviendrai peut-être cette nuit pour quelques pranks. Ah, c'est bon. Oh mince, ça s'ouvre. Je vais être repérée. Vite, je vais me cacher pour pas que Lily Rose me repère. De toute façon, elle est tellement bête, elle va pas me repérer. Je suis cachée, je dois te donner. Comment c'était caché? Je suis cachée. T'es où? Eh oh, y'a quelqu'un ici? Oh là là, elle est où là? Elle est peut-être dans mon lit. Mais quoi, y'a personne en plus? Mais où est-ce qu'elle peut être? Ah, peut-être là. Oh, elle m'a même pas vue. Ah bah, en tout cas, mon téléphone, elle l'a pas pris. Papa? Oui. Il y a la jumelle de Lily Rose qui m'a dit que Lily Rose est plus ma copine. Ah oui? Oui. Mais t'inquiète pas, ça doit être un prank à mon avis. Elle a dû s'enfuir entre temps. Bon, je lui fais pas très confiance. Je vais quand même voir si elle a appelé l'une de mes amies. J'espère que si elle a appelé quelqu'un, c'est pas de quelqu'un de très important. Parce que sinon, ça va encore créer des histoires. Bon, allez, je vais descendre. Normalement, elle est partie de la chambre. Enfin, j'espère, parce que sinon, je sais pas comment je vais faire. Hein. Non! Elle a appelé Massilia! Et en plus, je pense qu'elle lui a dit des trucs pas très sympas. Attends, j'entends du bruit là? Y'a quelqu'un dans mon lit? Lily Rose, t'es là? Comment ça se fait que t'es là? Pourquoi on est dans la même chambre? Quelle coïncidence. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais t'as appelé Massilia, tu t'es cassée! Allez, bouge de ma chambre! Tu es hors de ma vue! Oh non, c'est pas moi, j'ai rien fait! Oh là là, si tu continues comme ça, j'ai changé de chambre pour t'échapper! Et toi, tu trouves le moyen de venir! Oh, ça va pas continuer comme ça, toi! Viens par ici, sale mort! Non, non, tu dois te tromper, Lily Rose! Je vais rester cachée là jusqu'au prochain prank. Oh, elle a encore réussi à s'enfuir! Mais elle ne rentrera plus ici! Bon, allez, je vais mettre la chaise contre la porte. Comme ça, elle ne m'entendra pas! Oh là là, elle menace celle-là! Mais alors, ça veut dire quoi, elle m'entendra pas? Bon, ça veut rien dire. Elle ne rentrera pas! J'ai une idée de prank. Je vais aller lui piquer un de ses jouets préférés dans sa chambre.
Ça, c'est une bonne urgence. Bon, maintenant, je vais voir ce qu'elle a dit à Massilia. J'espère qu'après ça, ça va quand même être mon amie. Tu vois, Lily-Rose, quand elle parle de toi, elle est vraiment méchante. Elle dit que t'es pas gentille, que tu pues. Enfin, elle dit plein de trucs hyper bizarres sur toi. Non, elle a dit des choses méchantes à Massilia. Ça veut dire que maintenant, ça va être mon ennemie. Oh non, ma vie est gâchée. Pourquoi elle a fait ça? Elle est cruelle. Non, mais elle a mis un truc derrière la porte. Oh non, ça se trouve, on pourra plus jamais se voir. Oh là là, faut absolument que je l'appelle. Allô, Massilia? Allô? Oh non, ça répond pas, je suis tombée sur le répondeur. Bon, c'est fini maintenant. Ça se trouve, elle va même appeler Tata Biboucha pour m'embêter. Oh, Massilia, je te verrai plus jamais. Tout ça à cause de cette peste de sœur jumelle. Un jour, je vais la voir, et pour de bon. Oh, salut, Lily-Rose, je m'excuse vraiment pour ce que j'ai fait. Attends, je rêve ou elle rentre encore dans ma chambre? Oui, mais je pensais pas que j'allais te faire autant de mal avec le truc de Massilia, mais je suis désolée vraiment, je m'excuse. Ah bon, c'est vrai, maintenant tu vas être gentille avec moi? Ah vraiment, Lily-Rose, j'y peux rien, pardon. Oh merci, c'est super sympa. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Oh non, elle s'est enfuie avec l'un de mes jouets préférés. Ça se trouve, maintenant elle se cache dans une pièce de l'appartement. Bon, là je vais appeler Massilia parce que elle doit être super triste à cause de la sœur jumelle. Allô, Lily? Allô? Allô, Massilia? Oui, c'est la vraie Lily-Rose, je suis vraiment désolée. Elle t'a dit n'importe quoi, c'est faux, elle voulait me pranker comme d'habitude. Oui, je sais, elle est super méchante. J'avais déménagé exprès pour qu'elle vienne plus, mais elle a trouvé. Ah, d'accord, c'était ta sœur qui m'a piégé, la sœur jumelle. Je suis vraiment désolée, j'espère que tu me pardonneras. Bye bye, Lily, à bientôt peut-être. Oh yes, Massilia m'a pardonné. J'espère qu'on se reverra un jour, ce serait super. Même si c'est pas trop prévu, ce serait génial. Lily-Rose, calme-toi, j'entends courir partout. Désolée, je t'ai entendu, mais en fait il y avait la sœur jumelle, tu sais, la fille qui me veut du mal là. Enfin bref, t'as peut-être pas compris, mais laisse tomber, c'est bon. Attends, la sœur jumelle, tu serais pas en train de me raconter n'importe quoi? Bon allez, t'inquiète pas, je te raconterai ça dans une autre vidéo, bye. Bon, d'accord, mais plus de bêtises. Ça marche comment ça? Ça marche comment? Ah, c'est bon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et clique sur une vidéo qui apparaît. Bye bye!